Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors l'attraction et la déviation sont très souvent jointes et liées à d'autres éléments tactiques. Par exemple, l'interruption de la ligne d'action de figure, le clouage, etc. Le blocage d'une case représente déjà une combinaison de deux éléments, attraction d'une figure et restriction de l'efficacité de l'autre pièce. On va voir une série d'exemples typiques d'attraction et de déviation qui sont réunis dans une même manœuvre, une combinaison. On va voir d'abord des exemples simples avec des séries où un coup donne une déviation et le suivant une attraction ou l'inverse. Et puis des cas où un seul coup permet d'avoir à la fois déviation et attraction. Donc commençons ici par un exemple très simple. Mattson contre Napolitano, qui s'est joué par correspondance en 1953. Le trait est au noir. Les noirs jouèrent tour E1, échec, ce qui constitue une attraction de la tour blanche. Tour prend E1. Dame D4, échec, ce qui constitue cette fois-ci une déviation de la dame. Dame prend D4. Et D prend E1, il fait dame et échec et mat. Combinaison très simple, mais fort intéressante. Voilà, nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.